Pascal Lafleur. Je suis aujourd'hui gérant de la société Concept Style Coach, un atelier de développement du potentiel humain. Je suis un ancien athlète de haut niveau, sportif de haut niveau dans les sports martiaux, où j'ai été titré plusieurs fois, donc notamment champion de France de kickboxing, champion d'Europe professionnel, champion du monde professionnel. J'ai été également champion de France de boxe thaï. J'ai été en tout cas pluridisciplinaire dans ce domaine-là, parce qu'à une époque, il fallait en tout cas manger et puis continuer d'avoir du ring, de l'expérience. Donc j'ai boxé aussi bien en boxe française, en full contact, en karaté également, où j'ai été vice-champion du monde à Chicago. Voilà. Donc j'ai eu ce parcours sportif depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 36 ans. Puisque j'ai évolué dans ces disciplines-là très, très tôt, très jeune. J'ai fait mon expérience et mes études, on va dire, dans le domaine sportif. Aujourd'hui, donc, j'évolue dans un autre domaine, après avoir fait différentes formations dans le domaine du développement personnel vers l'âge de 25 ans, où j'ai compris qu'on n'était pas obligé à chaque fois de se battre pour réussir. J'ai eu un chemin qui s'est orienté vers le cœur, en tout cas vers la conscience, où j'ai étudié les sciences humaines, notamment les neurosciences, et appris également comment on pouvait se comporter, donc changer également son attitude, changer ses pensées, changer également l'orientation de ses émotions. Et aujourd'hui, donc, j'évolue à Paris, dans le 3e arrondissement, pour enseigner les activités sportives, l'habileté motrice, mais également avoir un regard sur soi, en tout cas différent, d'avoir la possibilité de s'observer, de comprendre notre fonctionnement, hein, qui souvent est des actions mécaniques. On a peu de conscience dessus, donc par le biais du sport, par le biais de l'observation de son comportement, eh bien, j'invite des personnes à avoir de nouveaux réflexes, en tout cas pour aller vers soi. Je suis devenu végétarien il y a maintenant 16 ans, donc dans les années 2000, après avoir été malade. Donc je suis parti en voyage avec mon épouse en Asie pendant un an, où on a découvert des vérités. Hein, mon université en tout cas a été souvent les voyages, plus d'une trentaine de pays à l'âge de 30 ans. Donc, nous avons découvert qu'il y avait des vérités, et des vérités également dans la façon de s'alimenter. Durant notre voyage, on avait rencontré des backpackers qui faisaient transit chez nous dans notre appartement à Bangkok, et la plupart étaient tous végétariens. Donc pour nous, c'était un peu des éluberlus, et on ne connaissait pas parce qu'on n'avait qu'une seule façon de voir les choses au point de vue de l'alimentation. Et on a eu un merveilleux malheur, comme on en a souvent, qu'on a su en tout cas exploiter. Et on a été malade, on a été assez gravement malade dans un pays qui n'était pas le nôtre, donc on se demandait si on allait rentrer ou pas. Et on avait consommé donc de la viande. C'est sûr que les conditions d'hygiène alimentaire ne sont pas les mêmes, cependant ça nous a fait réfléchir dans la façon où on pourrait s'alimenter. Donc on avait fait rapatrier des livres concernant le végétarisme, étudier de savoir si on pouvait avoir des manques, des carences, si ça pouvait être nocif pour notre vie. Et puis on découvre tout à coup un nouvel univers où, au contraire, eh bien, on parle d'effets positifs, on parle de nutrition, on parle d'énergie, on parle de nourriture vivante. Bon. On passe le cap, on décide de célébrer ça, de faire notre premier repas végétarien par un Pizza Hut végétarien. Bon, c'est assez symbolique, hein, on n'en a pas pris dessus, mais cependant c'était pour nous de faire une transition assez sympa. Et depuis 16 ans, notre alimentation a évolué. Donc on a découvert également une nouvelle façon dont on pouvait manger, parce que nous avions des idées préconçues sur la façon de se nourrir, donc avec des surgelés ou des plats assez rapides. Et à partir de là, on a découvert qu'on pouvait manger très rapidement et très sainement. On s'est mis à faire des plats, on s'est mis à faire découvrir également cette cuisine, parce que nous avions déjà perdu un peu de poids. Moi, je boxais à 70 kg durant cette période et je suis passé à 63 kg. Donc j'ai pu être champion d'Europe à 70 kg et ensuite avoir davantage de qualité d'énergie et puis surtout avoir une autre conscience sur la façon de traiter mon corps. Donc je suis devenu champion du monde dans les 63 kilos.
Et puis, au fur et à mesure des années, nous avons continué de faire découvrir nos plaies. Puis on s'est aperçu qu'on était vraiment adepte de ça, que c'était, on ne pouvait plus s'en passer. On n'a plus repiqué dans la nourriture carnée. Donc nous avons une petite fille également qui a 6 ans, qui est végétarienne. Et nous avons découvert le cru il y a maintenant 1 an. Alors, bien souvent dans la vie, on avance avec de l'apprentissage, avec de nouvelles connaissances. Et à un moment donné, quand on utilise les mêmes bases, il se passe une certaine routine et puis on focalise un peu, on sclérose un peu notre esprit comme des certitudes. Voilà. Nous avions des certitudes dans notre alimentation et il était moins facile pour nous d'aller voir ailleurs. Et on a découvert les vidéos d'Irène. Nous avons également changé d'environnement, donc dans un environnement beaucoup plus végétalisé, notamment dans la région de Provence. Et il s'avère que Irène habite à 5 km de chez nous. Et nous avons rencontré une de ses élèves, Martine Bustin, qui est naturopathe et également crudivore. Nous avons découvert cette cuisine. Et ce qui a été formidable, c'est que pendant 15 ans, nous avons cru, que, en tout cas, nous avions fait le tour. Et là, on se met à découvrir une nouvelle façon de cuisiner, une nouvelle façon de déguster, de savourer les aliments. Et avec d'autres avantages, c'est qu'on peut bénéficier de tous les apports nutritifs des aliments crus, donc vivants, en les cuisant à basse température et puis surtout en pouvant les mélanger, en pouvant les mixer et combiner les oléagineux, hein, comme les noix, les noix de cajou, les noix du Brésil, les amandes, avec des végétaux. Donc nous avons expérimenté, et mon moyen d'apprentissage en tout cas c'est l'expérimentation, que ce soit dans les langues, que ce soit dans les nouvelles techniques sportives, que ce soit dans plusieurs domaines. Donc j'ai fait cette expérience là pendant 6 semaines avec les jus, et j'ai été surpris de voir que je pouvais continuer mon activité sportive. Aujourd'hui je fais de la préparation physique et de la préparation mentale, mais j'ai un taux de fréquence physique assez important, donc il faut quand même de l'énergie, il faut quand même du jus. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des jus comme ça pendant 6 semaines et j'ai pu valider que on pouvait avoir tous les apports, toutes les forces nécessaires pour déjà se nettoyer et ensuite faire son activité. À 25 ans, donc je fais un match à Las Vegas, un match qui s'est pas tourné en tout cas à mon avantage, puisque j'ai perdu par KO. C'était sur Canal+, c'était l'apogée en tout cas de ma carrière, et ce match là m'a complètement déstabilisé, en tout cas dans la stabilité que j'avais d'être une personne qui avait une renommée, qui voyageait, qui avait une mini célébrité dans son univers sportif. Et il a complètement dérogé à ça, donc ce qui fait que j'ai perdu pied. J'ai eu donc c'est là où j'ai pris conscience que notre psychique influait notre comportement et également notre état de santé. Puisque lorsque je suis rentré en France, je ne supportais plus mon visage, mon regard, je n'arrivais plus à me regarder, et encore moins d'avoir que les gens aient de l'empathie sur moi, donc on me fasse une petite tape sur le dos en me disant c'est pas grave, la prochaine fois. Je n'arrivais plus à me voir, je désertais ma relation faciès. Je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Et c'est là que j'ai pris conscience que dans ma vie, j'ai eu une carrière où j'ai simplement vécu avec cette apparence d'être dans les magazines, de la télé. Et lorsque je quittais cet axe-là, eh bien, je n'avais peu de conscience avec moi-même. D'ailleurs, j'aimais être peu avec moi-même. Je reprends un élément de tout à l'heure, c'est que j'animais ou je meublais pour avoir le moins de temps possible avec moi. Et à la suite de ça, j'ai eu des problèmes psychologiques qui ont influé sur ma virilité. Donc à 25 ans, quand on est champion du monde, qu'on a une belle petite amie et qu'on n'a plus de désir, ou voire des pannes constantes dans sa virilité, dans sa sexualité, on se pose des questions. C'est à ce moment-là que je me suis intéressé aux neurosciences et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé, qu'est-ce qui fait qu'on conserve la performance et qu'on augmente
eh bien, sa créativité. Voilà. Donc là, j'ai mis le nez dans des bouquins donc de spiritualité, des bouquins également dans l'analyse, je vais prendre des exemples, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, la PNL, en tout cas, qui ont été pour moi des livres de chevet que j'ai lus et relus et relus près d'une centaine en 16 ans. J'ai fait des formations où je me suis payé, j'ai investi sur moi pour aller aux États-Unis pour rencontrer ces mentors qui nous expliquaient comment ça se passe quand on est au top, comment ça se passe quand on est un champion, alors que moi je crois que j'étais un champion. Alors voilà, j'ai eu, on va dire, une sagesse au point de vue de l'esprit où j'ai compris que le bonheur n'était pas quand j'avais la ceinture de champion du monde. C'était le chemin plutôt, voilà, c'est plutôt une voie. Et à la suite de ça, j'ai continué de m'instruire, que ce soit dans le champ personnel, dans le champ alimentaire, parce que j'ai bien vu également les bénéfices que cela pouvait produire eh bien, dans la convivialité également, hein, parce que lorsqu'on fait de la cuisine vivante, hein, on a envie de le partager, pas simplement pour le goût, mais également avant. Je me suis aperçu également en tant qu'éducateur sportif, parce que j'ai été éducateur sportif pendant 18 ans, donc avec 3 clubs de sport, et j'organisais également des ateliers où on confectionnait on faisait des salades, on faisait des plans alimentaires pour sur des stages d'une semaine et de 5 jours, et je me suis aperçu que c'est assez dramatique à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne touchent pas d'aliments. En tout cas, il y avait des ados que j'accompagnais, voire des jeunes adultes, avaient déserté le contact avec une tomate ou avec une carotte. En tout cas, cette facilité qu'on a, en tout cas pour préparer les aliments, eh bien, que c'était pas si aussi évident. Hein, l'évidence a été bonne qu'à soi. Je me suis aperçu que peut-être qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là et de sensibiliser des personnes. Alors au départ, ce qui se passe quand alors, je vais parler pour moi et puis peut-être d'autres personnes se retrouveront, c'est que quand j'apprenais quelque chose de nouveau, eh bien j'étais persuadé que c'était la bonne chose, donc j'y vais, je veux convaincre, j'ai la réponse et je voulais absolument convaincre. Ce que j'ai compris par l'expérience, c'est qu'on ne peut pas essayer de convaincre les gens, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est qu'à un moment donné, leurs vérités vont s'affûter, elles vont évoluer et la seule décision pour pouvoir y adhérer, c'est qu'à un moment donné, la personne, eh bien, elle le comprenne d'elle-même. Donc, j'ai lâché un peu prise. Mais grâce à cette expérience dans l'alimentation où j'essayais de convaincre que c'est comme ça qu'il fallait faire, j'ai pu faire la même chose dans d'autres domaines, que ce soit dans le domaine spirituel, développement personnel également, dans la pratique et l'acquisition technique des habiletés motrices, et notamment dans la boxe. Voilà. Donc, un peu plus de détachement favorise plus de liberté pour la personne qui est prête pour apprendre. Et une fois qu'elle a pris sa décision, waouh, elle a un champ d'ouverture, un champ de progression qui est bien plus grand que celui où on essaye de convaincre. Voilà. Alors, il y a des phrases qui sont un peu galvaudées, mais c'est celle qui me vient, c'est d'avoir la conscience de s'écouter. D'avoir la conscience de s'écouter, ça veut dire à un moment donné se poser la question, pas au point de vue de l'esprit, donc pas au point de vue du mental, qui va en tout cas trouver toujours des raisons pour rester indécis, et puis pour continuer les mêmes cercles, pour garder les mêmes rouages qui ne font pas avancer en tout cas, mais le fait de s'écouter, ça demande de mettre son esprit dans le cœur, et d'avoir une écoute très sensible au point de vue sensoriel. C'est très simple, c'est que c'est binaire. C'est confort ou inconfort. Il n'y a pas d'entre-deux. Et plus on mange des aliments vivants, et plus on a cette réceptivité avec soi. Plus on va avoir cette conscience de se poser la question à l'intérieur, de savoir si cette décision est confortable, on le sent. On peut, moi je prends un exemple, je prends des fois des exemples sur des échelles de 0 à 10. 10 c'est super confort, 0 c'est moins confort. Eh bien, le choix de ma décision qui aura obtenu la note la plus importante, ce sera la bonne. Voilà. Et d'autant plus que ça relève également de l'intuition. L'intuition est une science. Moi, pour avoir fait également des formations avec des personnes les plus diplômées en France dans le domaine informatique, je sais qu'aujourd'hui, que l'intuition, vous ne vous tromperez jamais. Et même si vous vous trompez, que ce soit 9 sur 10, eh bien, laissez cette chance-là. En tout cas, laissez-vous l'occasion, en tout cas, de vous tromper les peu de fois que ça arrive.